Bonjour les frisettes, comment allez-vous? Comme promis, voici ma vidéo du plopin ou comment avoir des boucles naturelles sans aucun effort. Le plopin, c'est quoi? Le plopin, c'est juste une technique de séchage que j'ai appris grâce à Jessie Curl. En fait, je m'étais intéressée à ces produits pendant un moment pour avoir des jolies boucles définies sans faire d'effort, et sur son site j'ai découvert ses vidéos, donc j'ai tout de suite appliqué cette méthode pour voir si ça fonctionnerait avec mes cheveux. Et sincèrement, j'ai été complètement bluffée, parce que le fait de sécher déjà avec la serviette microfibre et de venir écraser les boucles de cette manière, et ben vos boucles vont se former naturellement. Mes frisettes, voici comment je réalise mon co-wash. Alors je commence par rincer abondamment mes cheveux avant de me saisir de mon après-shampoing, donc Vibrant Naturals, vous savez que c'est mon préféré. Donc je prends une quantité suffisante pour tous mes cheveux. Je prends le quart d'une dose, puis je masse assez vigoureusement mon cuir chevelu pour veiller à bien le nettoyer. Et ensuite, je passe à l'autre section et je veille bien à masser toutes les parties de mon crâne. Je commence un pré-démêlage avec les doigts, puis je me saisis de ma brosse fétiche et je démêle en commençant toujours par le bas, en remontant tout doucement vers les racines, et ainsi les cheveux se démêlent très facilement. Je vais enrouler mes cheveux et maintenant il va falloir patienter à peu près 5 minutes, et je préfère rincer en dehors de la douche parce que toujours mon rinçage, je le fais à l'eau froide. Ça permet de lisser les écailles et de préparer mes cheveux à recevoir les produits que je vais leur donner. Je suis vraiment désolée, il y a eu un bug quand j'ai voulu filmer comment j'appliquais mes produits. Mais c'est vraiment toujours la même méthode, sauf que mes cheveux sont extrêmement mouillés. En fait, je mets pas ma serviette microfibre quand je sors de la douche. J'applique d'abord mes produits et ensuite je réalise le plopin. Donc les produits que j'ai utilisés en 1, j'ai appliqué du leave-in partout sur mes cheveux comme d'habitude, en bien répartissant et en démêlant avec les doigts. Et ensuite, la tête à l'envers, je prends une noisette du gel Eco Styler à l'huile d'argan et je vais venir scruncher mes cheveux comme ça en remontant. Donc je vous montre le geste. Donc comme ça, le gel. Je ne mets pas du gel partout comme le leave-in, quoi, parce que j'en ai pas besoin autant que le leave-in. Le plopin, une vidéo vaut mieux que toutes les explications, donc regardez comment je procède. Juste une petite précision, quand vous entortillez, faites-le fermement, et aussi quand vous attachez la serviette, faites-le pareil, fermement, pour que cela tienne durant la pause du séchage. Je retire toujours ma serviette la tête à l'envers pour ne pas brusquer les boucles qui se sont naturellement créées. Je suis assez satisfaite du résultat. On peut déjà voir qu'il y a vraiment des boucles qui se sont formées naturellement. Donc maintenant, il va falloir attendre le séchage et surtout ne pas toucher ses cheveux. Surtout pas. Me voici 4 heures après, donc voici mes boucles naturelles. Je vais appliquer un peu d'huile de jojoba sur mes pointes pour les réhydrater.
Et comme je vais me préparer pour aller me coucher, je fais ça en fait tous les soirs pour réhydrater mes cheveux et bien les mettre en place pour le pineapple. Ce que j'ai besoin pour mon pineapple, donc j'ai besoin de mon bonnet en satin et d'un élastique assez large. Donc vraiment un élastique large pour ne pas garder cette formation de la queue de cheval qu'on va venir faire au devant de la tête. Donc je ramène tous mes cheveux et je mets l'élastique, puis je prends mon bonnet en satin et voilà, je le mets. Voici ma tête. À demain. Bonjour mes frisettes, donc je vais enlever mon bonnet en satin, puis l'élastique, la tête à l'envers, c'est mieux. Et je vais réaliser un mouvement de gauche à droite pour libérer mes boucles gentiment. Et avec mes doigts, je vais venir déformer la queue en fait qui s'est réalisée pour vraiment restyler ma coiffure. Ce mouvement permet réellement de créer du volume et notamment derrière la tête où l'effet du pineapple en fait est plus visible. Donc j'insiste vraiment bien derrière la tête. Et je relève ma tête pour voir le résultat. Donc des jolies boucles bien définies, naturelles, vivantes, comme j'aime. Pour être totalement honnête avec vous, la plupart du temps, c'est ce que je fais. Les finger curls, j'essaye de les garder vraiment pour un événement spécifique. Et le wash and go, pour moi, c'est la manière la plus rapide d'avoir des jolies boucles sans effort. Le seul petit hic, c'est la patience. Il faut attendre 3 heures pour que ça sèche. Voilà mes bouclettes. Bisous.